Bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing de chez Diamond Art Club. Et aujourd'hui, on part sur une des dernières nouveautés qui s'appelle All for Love, tout pour l'amour. C'est une petite toile en carré qui est carrée. Elle fait 33 cm sur 33, donc c'est vraiment pas une grande toile. J'ai pas du tout préparé correctement l'ouverture de la boîte, mais elle coule pas. Et elle est un peu éclatée, donc je galère un peu là. Alors, ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Ah ouais, elle est bien. Elle a pris un bon coup, je l'ai reçu quand il y a une semaine, deux semaines. J'avais pas fait attention. Ok, on a un nouveau toolkit. Ah, c'est un peu. En fait, la boîte elle est tellement petite que les nouveaux toolkits ont à peine à rentrer, je crois, parce que là, le autocollant il a pris cher. Mais c'est pas bien grave. Ça, je mets dans une petite boîte. Je vous sors la mini toile. Elle est tellement petite. Vous voyez, le carton il rentre facile sur la vidéo. Hein. Alors, le fameux toolkit, nouveauté de chez Diamond Art Club. Comme vous voyez, j'ouvre très mal mes toolkits. Ou attention, on a le même washi tape qu'avant. Alors, c'est un rond, mais on nous donne. C'est bien un rond. Hein. J'ai un doute. Donc, bref. Je crois que c'est un rond. Ah non, c'est un carré. Bon, je comprends mieux. Alors là, c'est parce que c'est un carré. La pince, elle est pas. Elle est un peu abîmée, hein, comme vous le voyez. Elle a pris un peu des coups, mais bon. Ça reste une pince. Parce qu'on en a tellement. On a un stylet blanc cette fois. Mais j'ai une mousse rouge. Ma théorie ne marche plus du coup. Tant pis. Le washi tape, c'est le même que. Le même. J'ai ces accents que je vous ai montré sur la tortue. Il est joli, il est floral. Et là, nous avons un diamant. Un diamant, mon Dieu. Un aimant. Je suis désolée, je suis fatiguée, je rentre du travail. Un aimant en forme de rose lila. Elle est super jolie. Et celle-là, elle n'est pas cassée, moi. Nous avons deux embouts. La barquette et sa fermeture. C'est très bien rangé comme ça. Et nous avons la cire, deux cires en forme de cœur qui est largement suffisant pour faire plusieurs DP. Et les sachets zip dans un sachet zip. Alors ça, c'est le bonheur. Je fais juste une petite photo pour montrer à mes collègues. Bim, voilà. Je me la pète. On range le tuyau pour ne rien perdre. C'est très dommage. Surtout quand on a des chats. C'est un peu la catastrophe, on range partout. Et là, par contre, ça fait un chenille. Nous partons sur cette ouverture de toile. Elle est vraiment toute légère, ça fait tellement bizarre. Mais vraiment, les petites toiles, j'ai pas l'habitude. Désolée, ça me fait vraiment rire. Alors là, elle a pris cher. Hein. Moi je dis ouais, ils n'ont pas beaucoup de plis, mais celle-là elle a pas mal de plis. Après, c'est rien de grave, hein. C'est de la coupe-plis, j'aurais pas de rivière. Donc, je vous montre. Là, c'est l'explication. Thank you for your purchase. C'est pas du tout comme ça qu'on doit le dire, je pense, mais je suis nulle en anglais. Donc, explication en anglais, en espagnol et en français. C'est top. On peut rejoindre le groupe VIP en scannant. Et je vous donne également l'arrière où vous pouvez, depuis l'application, avoir 20% sur votre première commande. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas si vous pouvez le scanner en vrai, essayez. Mais je crois que même sans, en fait vous cherchez Diamond Art Club sur iPhone ou Android, donc tous les autres téléphones, et vous trouvez l'application facile, et quand vous commandez pour la première fois, vous avez 20%. Et franchement, ça vaut la peine. Réfléchissez bien à sur quelle toile vous voulez appliquer les 20%. Moi, je vous dirais acheter une toile qui vaut pas mal cher. Parce que du coup, si
Elle passe en dessous d'un montant minimum, vous allez payer les frais de port. Donc, tant qu'à faire, évitez les frais de port. La toile, donc. Un petit cœur avec tout plein de couleurs. Et le fond blanc. Il n'y a que 14 couleurs. Et comme vous le voyez, on est au marge du blanc. Et quand on voit ça comme ça, on a l'impression qu'on n'en aura jamais assez de diamants. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 AB. Voilà. C'est la toile AB. Le blanc est blanc. Et après, le noir est noir. C'est du 310 normal. Ouais. Et par contre, nous avons des magnifiques AB. Oh, il est beau celui-là. Ce vert. On n'a pas de violet AB. Malheureusement, si, mais plus foncé, plus clair. J'aurais aimé avoir un comme ça. Celui-là, s'il avait été en AB, il aurait été magnifique. Ça n'avait pas AB. AB jaune. Franchement, elle va être sympa à faire. Elle sera pas très longue à faire aussi. Ça va être tout top, comme on dit chez moi. Et voilà, la toile. C'est tout petit. Je peux même faire un zoom. Et on voit encore la toile en entier. Donc, comme vous l'avez remarqué, tout là, je vais manger du blanc. Ça changera de manger du noir. Mais on va quand même manger du noir. Elle est vraiment sympa. Les couleurs, j'aime. Enfin, je l'ai vu, j'ai dit, il faut que je l'achète. C'est vraiment dans le thème, dans ce moment. On a tous besoin d'amour. C'est obligé, quoi. Il n'y a pas photo. C'est tout pour l'amour. Et l'amour pour tout. J'imagine. Ouais, je pense. Pour tous. Je suis nulle en anglais. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que cette toile va être vraiment sympa à faire. Les AB, c'est les 1, 2, 3, 4 et 8. Et 5 et 6, vu qu'ils sont en dessous de 150. Donc celui-là. Celui-là. Les 3. Les 2. Non, mais ça va être rempli d'AB et ça va être génial. J'ai limite envie de faire toute la partie blanche. Et après faire l'intérieur. Parce que si par exemple je commence par l'intérieur, j'aurais pas envie de faire le reste. Donc vous voyez, impression nickel chrome. Vraiment chouette. Comme d'hab, Diamond Art Club vous assurez. J'imagine que la colle colle. Elle colle colle. Donc on est bien. C'est bien, c'est qu'elle prend pas place à ranger. Hein. Même à suspendre, on peut la suspendre avec une pincette. Tellement elle va être légère. Même pleine, elle va être légère. Donc là, je pourrais utiliser des bois avec les magnettes. Donc c'est chouette. Cette toile, je suis contente de l'avoir achetée. Elle n'était pas très chère. Je ne sais même pas si elle est encore disponible parce que c'est peut-être une exclue, je me souviens plus. En tout cas, voilà, je l'ai. Je suis contente. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Là, ça me change des nappes, comme dirait Aurélie. Hein. Ça, c'est un bébé toile. Il hein. n'y a pas d'autre nom. Et voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.